Ou seja, elle est lumineuse. Ah, les tout premiers mouvements d'un petit chien aux brebis, c'est vachement important de le laisser faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on démarre généralement à un certain âge. Voilà, et yes. Et là, il a regardé, il voit qu'il en manque bien. Ouais. Voilà. Pour le moment, tu peux pas dire au gars, fais ci, fais ça. Le mec, il est là, il regarde son chien, il voit rien, les brebis, il est concentré sur le chien. Elles vont revenir vers lui de toute façon. Voilà. Hop, c'est bien. Ok. Alors, hop. Va te remettre en position pour être le plus près possible du groupe de brebis. Tu te mets au milieu des brebis, tu verras, elles vont venir vers toi. Si tu vas vers les quatre là-bas, elles vont venir vers toi pour se protéger. Et tout le monde va revenir, et une fois que tu auras tout le monde, tu essayes de mettre le pied sur la ficelle, c'est bien mon bébé, au pied. Voilà, reste au milieu des moutons. Comme ça, il va venir plus près de toi. Voilà, attends. Voilà, rappelle-le maintenant gentiment. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est comme enfiler son slip le matin. C'est le premier boulot, ça. Non, mais si. Les gens. C'est pas grave. Tiens le chien maintenant. Tiens le chien. Et reviens le long de. Oui, enfin, il y en a qui n'en mettent pas. Oui, mais c'est quand même important. Mais ça gratte plus. Non, mais les gens, ils sont souvent obnubilés par ce qu'il fait le chien. Et exemple, Pascal Holner. Et en trois coups de cuillère à peau, le clébard, il a gagné. C'est bien ça le drame. Ok. Bon, attends. Laisse monter un peu le désir, là. On lâchera quand il sera bien chaud. On va rejoindre le lot. Ça, c'est le premier boulot, ça. Motivation, pied sur la laisse, retour. S'il n'y a pas de retour, alors après, ben, au moment où il revient, tu peux le cliquer. Ouais. Hein, puisque vous avez travaillé avec Claudine. Oui. Hein, bon, tu peux le cliquer. Hein, mais il faut que tu sois sûr qu'il revienne. Ouais. Autrement, ce n'est pas la peine. Or, au mouton, hein, l'éducation de base normale cliqueur, elle disparaît parce que le chien est motivé. Voilà, ça tu peux lâcher maintenant. Et tu vas tout de suite aux brebis. Mais dis donc, t'as vu ça un peu, hein? Ouais. 4 mois et des bananes, putain. Hein? Waouh. Voilà, mets-toi aux brebis, tu prends le gros lot, toujours le gros lot, l'autre elle va revenir. Elles sont dressées à revenir sur les gens. Voilà, regarde. Parce que quand tu es à 50 km du chien, tu peux pas mettre le pied sur la ficelle, hein? Voilà, encore un peu, tu laisses tourner, laisse, voilà, rappelle-le, récompense, waouh, allez, retourne dans le coin là-bas, c'est fantastique, c'est bien d'affilmer ça, c'est bien, sur un chiot, tu fais pas plus, tu peux pas faire plus, on va faire 3-4 présentations. Oh putain, ça y est, t'as vu le style? Ouais. Voilà. Ok. Allez, lâche, c'est bien. Mets-toi au brebis. Voilà. Mets le pied dessus d'abord. Tu ne pourras pas le faire venir sans mettre le pied dessus. Ok, c'est bien, ça suffit. 5 minutes de pause. Alors après.